Bonjour, bonsoir tout le monde et comment nous et ça va demander qui l'est qui côté n'a regardé vidéo ça. Et je dis à son plaisir pour nous encore pour nous retourner sur channel là pour nous présenter une vidéo ça. Et ça fait quelques jours nous je n'ai plus de questions mais nous pas jamais un change justement pour nous faire et une vidéo pour nous répondre à genre de questions qui ont posé. Eh bien, c'est pour raison ça nous aujourd'hui hein? Et l'essentiel pour nous faire vidéo ça en façon que pour nous répondre à des questions que vous posez nous venons en pile questions que vous posez nous mais c'est bien malheureux que nous pas de jeune justement pour nous répondre à question ça et eh bien je dis à nous venir justement pour nous comment nous répondre à des questions que vous souvent posez nous. Et si j'ai nous gagné pour aujourd'hui que nous voilà débattre c'est concernant de naturalisation nous venons pile monde qui pose nos questions et de naturalisation mais nous pas jamais jeune change justement pour faire une communication ensemble avec monde ça pour nous répondre à des questions qui opposent nous et bien c'est raison ça je dis à nous l'essentiel justement pour nous ta venir et faire communiquer ensemble avec monde ça qui pose nous questions ça. Et il y a plein de monde qui pose nos questions concernant qui ça exactement y a besoin justement pour ta faire processus naturalisation hein? Nous j'ai une question tout y a posé nous et combien de temps on a supposé gagner et justement pour ta faire naturalisation hein? Et il y a monde qui pose nos questions tout qui type de résidence exactement que tu as supposé gagner justement pour ta faire processus naturalisation hein? Et sujet que nous gagnons pour naturalisation, nous gagnons deux types de naturalisation qui sont vraiment intéressants. Et je dis à nous voulons parler de eux. Qui c'est naturalisation provisoire et naturalisation ordinaire. Naturalisation provisoire, et nous avons dit que c'est une naturalisation pour un mineur. Par exemple, un petit monde qui vient ici, qui pour qu'on gagne 10 ans dans le pays. Hein? Qui gagne une résidence permanente, et bien, si moun sa automatiquement la dépose, li gagne une résidence permanente, et bien, si moun sa li même li gite gagne accès, justement, pour le faire processus naturalisation ça sans problème. Et qui différent pour yon majeur, si pose gagne une résidence permanente, mais avec résidence permanente, ça li doit gagner 4 ans résident dans le pays. Gagne en pile moun, et qui confond bagay yo le ou di moun nan 4 ans résident avec 4 ans stable moun yo même yo kon mélanger bagay yo nous pas di moun sa supposé gagner 4 ans stable dans pays hein? Mais plutôt nous dit que moun nan doit gagner 4 ans résident dans pays hein? Ça veut dire que moun sa li même li ka toujours voyager li pa gen problème li ka toujours voyager il suffit que li gagne 4 ans depuis que l'été retrouvé résidence là. Concernant des documents, il y a un peu de monde qui pose une question tout et qui type de documents que vous avez besoin justement pour ta faire processus naturalisation. Et bien nous allons venir avec liste documents et n'a quitté tout et toute liste documents que n'a besoin n'a quitté lien dans description vidéo en façon que pour nous joindre les documents sans problème. Et document qui plus bay moun yo problème bi yo fait processus naturalisation hein? Et c'est raison ça tout qui fait moun yo toujours dit que naturalisation li difficile pour yo faire et c'est document qui dit que ou parle portugais qui c'est un certificat qui prouve que ou parle l'anglais avec certificat de bonne vie mes que ou voulez faire en Haïti hein? Et bien, c'est deux documents ça on nous toujours rend qui fait processus naturalisation hein, li difficile. Certificat qui dit que ou parle l'anglais, et bien comment que ou pral retrouver certificat ça? Si par exemple vous c'est un monde qui a étudié ici dans l'université Brésil, et bien même que ou pas ta gen fini à l'université hein, eh bien, ou ka aller dans la direction, ou ka mande pi yo ba ou, yon déclaration, ou dimension autorisation,
yo a ba ou déclaration ça, et bien déclaration ça tout, li valable pour ta fait processus naturalisation parce que déclaration ça dit que oui, ou c'est un monde qui étudie dans l'université. Ou du moins tout, si toutefois, pendant ou entre dans l'université, ou c'est un monde qui te passé par un concours, eh bien, avec certificat yo ba ou qui dit oui, ou t'es approuvé dans le test d'évaluation que ou t'es fait pour entrer dans la faculté, eh bien, certificat ça tout le qui est valable pour faire processus naturalisation sans problème. Ou du moins, ou ka fè et ensino fondamental, si par exemple ou c'est un monde qui fait ensino fondamental ici au Brésil, eh bien, certificat ça yo ba ou tout li valable pour faire processus naturalisation sans problème. Ou du moins, si toutefois, ou c'est un monde qui fait ensino médio complet, certificat ça yo ba ou tout li gitan valable pour faire processus naturalisation. Si yon paquet avantage, mais moun yo même yo toujours rendre bagay yo difficile. Ou du moins, si toutefois, ou vini ici Brésil, ou fait seulement dernière classe nan qui se filo en haïtien, après que ou fin fait dernière classe sa, yo bo ou yon certificat qui dit oui ou approuvé nan et examen final la, et bien certificat sa tout li gitan valable pour faire processus naturalisation tout sans problème. Ou du moins tout, si ou joignez yon l'école qui reconnaît, ok, ou joignez yon l'école qui reconnaît ou fait yon cours portugais dans l'école ça, eh bien, cours portugais ça tout, ou fait avec certificat ça tout, yon ba oua, li gitan valable pour faire processus naturalisation tout, sans problème. Ou du moins, gagnon examen, yon fait ici Brésil deux fois par année. Qui c'est ça au Piblaise. Si par exemple ou même c'est un monde qui participait dans examen ça au Piblaise là à l'aide de examen ça au fin si bien que yo ba ou un certificat qui dit oui ou réussi dans examen ça au Piblaise qui ou faire et bien certificat ça tout ou faire ou gagner li gitan valable pour faire processus naturalisation sans problème même que ou pata gitan gagner quantité temps et yo ta mande ou pour gagner dans pays a pour commencer avec processus naturalisation hein? Et bien dès pour gagner certificat ou ka toujours conserver certificat ça jusqu'à ce que ou rive dans quantité temps que yo mande pour gagner pour faire processus là sans problème. Et pour moun ka mande pour certificat de bonne vie monsieur gen moun tout qui pose une question qui dit si toutefois lui-même li ta vini par réfugié est-ce que li obligation pour le faire certificat de bonne vie maintenant jusqu'à maintenant n'a dit oui li obligation pour faire certificat de bonne vie mais ça pour qui raison parce que c'est ou même qui connaît que ou t'es venu dans pays an, ou c'est un réfugié jusqu'à maintenant si toutefois ou pas gagne un argument que ou ka argumenter qui dit oui ou c'est un monde qui t'es venu dans pays an, réfugié automatiquement ou fin gen résidence yo vin reconnaître tout comme yon résident mais yo pas reconnaître tout étant que yon réfugié. C'est l'une des raisons nous dit que li obligation justement pour faire certificat de bonne vie mais ça sans problème. Certificat de bonne vie mais ça pour le valable pour faire processus naturalisation hein? C'est un certificat qui doit fait nan tribunal premier instance qui nan zone la kayou hein? Deuxièmement, li doit légaliser nan mini justice, li doit légaliser nan parquet, li doit légaliser nan ministre affaires étrangères. Automatiquement fin légaliser le trois côté ça yo, et bien ou supposé aller l'ambassade Brésil pour al mettre son sous li après justement ou venir avec ici ou bien ou voyer pour ici, là ou fin voyer pour ou pour aller on côté ou a fait traduction ou a traduit certificat ça en portugais après ou ka commencer faire entrada processus. À l'époque processus était kon fait présentiel mais pour le moment qu'on y a là après maladie a fin commencer dans pays hein et bien ou vinn prendre une décision que ou pas fait processus et présentiel encore ou fait processus online. OK. Et lè que ou fin gen tout document que ou mande ou yo
eh bien, et vous voyez tout document ça aller sous site fédéral. Mais dans liste document que fédéral ba yo, gagné un document que yo pas mentionné dans liste là qui important pour gagner. Qui c'est cette donc consulat. Cette donc consulat jusqu'à maintenant dans liste document que yo bail. Yo pas mentionné pièce ça dans liste document mais li obligation justement pour voyer faire cette donc consulat sans problème. Gen moun ki toujours nan difficulté justement pour ta faire cette donc consulat, eh bien et ou pas besoin craser tête ni avay payon avion ou bien machine pour aller Brazil pour aller faire cette donc consulat, ou ka simplement voyer le parcours. Pour voyer le parcours comment on voyer, ou simplement et faire copie passe premier page passeport ak de naissance ou bien extrait d'archive vous, et puis ou pour aller dans banque brésilien ou payer 70 reais. Le fin payer 70 reais hein, fiche que ou ba ou mettre en dedans enveloppe là avec papier yo, et puis ou poster yo par courriers. Automatiquement consulat recevoir document, et bien y a écrit un message sur téléphone ou dimanche dans email ou y a dit oui yo recevoir document. Et puis automatiquement document fini, yo a reposté le voyez dans adresse qui ou te ba yo sans problème. Et gen en pile moun tout et qui toujours pose nous question et qui dit combien de temps processus naturalisation li même li ka durer. Jusqu'à maintenant nous pas ka dire exactement mais combien de temps processus naturalisation li ka durer parce que li dépend des ministères. Mais nan moment que président au Sénat le vin mouté pour ce temps lui même li pas durable dit tout raison que fait qu'on y a nous ka dit li vin prend un petit temps c'est par rapport et maladie hein, par rapport pandémie en moun yo vraiment yon ti jan vin tarder sou pour ce là et puis yo fait analyse ça vin prend un petit temps. C'est l'une des raisons qui fait nous pas ka dit moun nan au moins de 4 5 6 mois mon ta supposé depuis toute bagay yo ta OK mon ta supposé gagner naturalisation nan men sans problème. Mais nous pensons que après bagay yo ta vinn améliorer, bon nous pensons que et processus là aller on dit genre plus rapide. Et avant même maladie a te vini, gen moun ki fait processus naturalisation tout à fait OK, dans 3 4 mois moun yo retrouvé passeport sans problème. Dans 3 4 mois il retrouve passeport sans problème, mais pour le moment qu'on y a bagay la vinn prend un petit temps. Mais nous pas besoin bay tête nos problèmes, nous pas besoin décourager depuis tout ça nous te bay yo te OK, et eh bien n'a prend naturalisation sans problème. Gen en pile moun tout qui pas gagner patience, bon citoyen yo toujours impatient, yo pas gagner patience quel que soit ça nous rentrer prendre, et eh bien nous doit prendre patience non ça que n'a pas entreprendre. Pour qui ça nous oblige prendre patience? Parce que ça qu'a fait là c'est pas nous même qu'a fait, c'est un processus nous fait. C'est comme si nous te fait une demande, et eh bien c'est pas nous même celle qui fait demande là, il y a plusieurs l'autre monde qui fait demande là, et eh bien faut tout monde yo même qui te fait demande avant nous faut qu'il fin finaliser automatiquement, il fin finaliser, yo mettre le dossier, et eh bien c'est au fur et à mesure, au fur et à mesure, au fur et à mesure, il y a pour mettre dossier justement pour tout le monde qui a passé pour réussir à demander ce que vous faire. Et il y a tout posé une question qui est importante si on naturalisation brésilien pour un monde qui gagne un passeport brésilien ici. Bon, pour moi même, il y a dit que il y a un monde qui gagne un passeport brésilien ici ou jure en pile opportunité Brésil. Réseau que femme décadique ou jouer en pile opportunité Brésil. Par exemple, il y a un monde qui gagne un passeport brésilien, environ monde ça qui a voyagé plus de 170 pays. Pour moi même, moi c'est une opportunité en plus. Oh, OK, une opportunité en plus parce que il y a un monde qui gagne un passeport brésilien qui a voyagé plus de 170 pays en 10 sans visa. OK? Ou simplement gen passeport a. Par exemple si c'est un monde qui vle aller en France, et bien qui ça moun sa gen pour le faire, moun nan simplement aller dans consulat aller acheter un billet d'avion,
li fè yon hôtel yon déclaré yon réservation hôtel et puis moun nan voyager sans problème sans avoir qu'il li pas besoin visa pour l'aller côté qu'il besoin aller depuis ces pays qui fait on dit qui fait partie de Mercosur moun nan li même li pas besoin visa pour l'aller dans pays ça si toutefois moun ça c'est un moun qui gagne un passeport brésilien. Moi retrouvé en pile moun qui fait processus naturalisation qui gagne un petit temps qui presque approuvé moun yo levé yo aller Mexique sans avoir que yo patente processus naturalisation. Pour moi même m'te ka dit que c'est un mal moun nan fait tête li mais moun nan tout li ka toujours c'est un bien. Parce que misère moun nan al passer nan route là pour le t'arriver Mexique là si toutefois moun sa c'est un moun qui te prend un petit temps pour le t'arrêter pour le t'donne passeport là comme si vous voulez moun sa li même li pa ta passer tout et Mathieu sa qui le passer pour le t'arriver Mexique là par exemple ou gen un passeport brésilien ou pas besoin ou simplement aller dans un consulat ou acheter un billet d'avion ou faire une réservation hôtel ou dire que vous allez au Mexique ou t'a pas dire 22 jours bien on mois dans route c'est on bagay ou fait dans quelques volte moi qui c'est vraiment intéressant par exemple si mon pas voulait aller au Mexique directement il dit bon là aller Guatemala on achète un billet d'avion aller Guatemala sans problème OK parce que tout pays que nous passer nous transiter pour nous arriver Mexique yo et bien si nous te gagnons passeport dans main nous pas besoin passer tout pays ça pour nous faire un transit. Nous tap simplement acheter billet et puis n'aller côté nous besoin aller sans problème. OK? Nous tap aller sans problème parce que tout côté nous passer par exemple moun qui passe par Bolivie, moun nan sorti Bolivie pour le tomber Pérou, pour le tomber Équateur, pour le tomber Colombie. De Colombie pour nous aller Panama, Panama, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua. Si toutefois tu as un passeport brésilien dans main, et bien on pas obligé faire tout parcours ça pour t'arriver au Mexique. Tu as simplement acheté un billet et puis ou entrer au Mexique tête frette sans problème. Moi encourager tout le monde qui fait processus de naturalisation prend un petit temps rester tanné parce que si toutefois nous t'a joint un passeport c'est un privilège en plus que nous-mêmes n'a joui et n'a moins souffri tout que dans voyage que nous gagnons pour nous faire. Parents nous impatients toujours prend patience parce que quel que soit un bagage on besoin réaliser ou deux prendre un petit temps pour réussir avec ça que ou besoin réussir. Nous pas qu'à trop presser dans la vie. En plus dans nous-mêmes nous qui retrouver nous Brésil, ça qui arrivé destin nous pas pour Brésil. OK? Destin nous pas pour Brésil mais et pour nous arriver en l'autre côté nous obligé passer par Brésil. Mais si toutefois nous arriver Brésil, nous gagne en Brésil, nous j'ai une autre opportunité en plus. Nous qu'à prendre pour nous arriver côté que nous voulons arriver hein. Et bien nous obligé prendre un petit temps justement pour nous voir comment nous qu'à jouer opportunité que nous joindre. OK? Nous obligé prendre un petit temps pour nous jouer opportunité parce que la vie n'est pas facile. OK, la vie a pas facile mais avec lit depuis nous accepter l'ité et puis ça n'a fait tout nous mettez bon Dieu en premier, m'pense que n'a prêté comme ça et puis n'a prêt tout ça nous te paraît difficile pour nous, yo paraît facile. Nous même personnellement, nous là pour nous chercher information et n'a toujours tout diffuser information que nous joignons ensemble avec nous. Si un bagage qui fait mal, les m'a retrouvé en pile immigrant. Si toi haïtien pareillement qui ici Brésil des fois qui envie commencer des processus mais vu que ou manque d'information, yo obligé souffrir, dépenser en pile l'argent et des fois gen haïtien s'il joine pour le faire comme sur haïtien pareillement, li tout profiter faire comme sur haïtien pareillement qui pas bon. Qui pas bon dit tout, raison que fait nous dit qu'il pas bon dit tout, si toutefois nous même nous c'est haïtien. Oh nous non au pays nous toutes c'est la vie n'a chercher et bien nous connaissons bagay en plus que on l'autre nous gagne comme devoir pour nous éclaircir moun nan nous est qui n'en fait noir mais nous pas là pour nous abuser moun nan parce que l'air qui c'est un abisant nouyé
bon Dieu pas fait bon ça pas fait bon Dieu plaisir parce que bon Dieu lui-même lui toujours mettait un bagage en plus dans monde c'est justement pour ca aider un l'autre qui pas capable d'après moi même c'est comme ça Samuel malgré en pile monde qui pas comme ça mais nous pas là pour nous faire personne habi nous là pour nous aider quel que soit monde en musique que nous capable et c'est pour ça même nous créer chaîne ça c'est en façon nous en pile monde des fois qui dans difficulté qui besoin des informations information yo là mais vu que eux même yo pas connaît yo obligé à souffrir et bien nous est l'essentiel justement pour nous ta faire channel ça en façon que pour nous ca aider moun sa yo et nan yon route qui doit aider moun sa yo à éclaircir yo dans des difficultés que eux même yo gagné des fois gen moun nan qui vini ici qui pas même connaît comment que li ta commencer yon processus pour ta faire un document c'est un bagay qui mal on l'el consulter yon l'autre haïtien pareil li ça l'autre haïtien gen pour le faire li bal yon montant qui vraiment élevé que li même li pas gagné on pas oublier moun sa li même son un immigrant lié on si moun nan son un immigrant lié qui fait entrer dans pays qui pas connaît comment pays a fonctionné ou même qui était dans pays a déjà li adressé justement pour comment que ou ka aider et bien ou doit aider en mesure que ou capable mais ou pas supposé abuser moun sa et bien c'est l'une des raisons nous ouais l'essentiel justement pour nous créer chaîne ça en façon que pour nous aider moun qui dans difficulté moun qui manque de formation une façon que pour nous ka aider nous pas gen problème nous toujours quitter numéro téléphone nous quel que soit un monde qui gagne gens des problèmes ça eux yo ka toujours consulter nous yo façon que nous même pour nous comment nous ka aider moun sa yo sans problème et en pile moun tout poser nous question des fois qui dit que yo fait processus de naturalisation qui kon gen 1 an 2 ans yo pas jamais ka approuver yo pas connait raison que fait yo même yo pas ka approuver qui ça lié yon processus naturalisation quel que soit yon moun ki konnen ke ou pa prêt pour faire processus naturalisation an pa fèl de pou konnen ke ou se yon moun ki pa prêt pour fèl pa fèl pou ki raison ke ki fè nou di si toutefois moun nan konnen ke l pa prêt pour le fèl pa fèl par exemple si ou ouvri processus naturalisation an, par exemple ou genyen 5 documents ki pa valab nan document que vous voyez pour faire entrada naturalisation qui ça lié connait là processus après vient prendre plus de temps par exemple si vous faites processus ça dit que il y a prend 90 jours pour analyser processus OK il prend 90 jours pour analyser processus après 90 jours il prend analyser processus ça vous vient gagner 5 documents qui pas bon dans document que vous voyez qui ça lié connait là il voit un message par où qui dit que dans document que ou te voyez, il y a 5 documents qui pas bon. Par exemple, dans 5 documents que ou voyez que qui pas bon, ça veut dire qu'on y a la possession après tarder. Automatiquement qu'on y a là ou t'ajoute deux dans document ça ou voyez aller. OK, pendant voyez deux documents aller, il vient prendre 90 jours encore pour analyser des documents que ou voyez aller. Ça veut dire que dossier là lui-même il a gagné 6 mois. OK? Dossier a gagné 6 mois. Il y a cours. Quand y a là devant par document que ou vinn voyer tout qui pas valable c'est casier judiciaire en Haïti hein et que extrêmement difficile justement pour ta faire en Haïti vous quand y a là ou vinn dou dossier ça document ça pas bon. Quand y a là pendant ou vinn dou document ça pas bon qui sont gagné pour faire. Ou obligé vous faire document ça en Haïti. Pendant vous voyez faire document ça en Haïti quand y a mes documents ça qui vinn prendre on dit un mois ou bien 2 mois ou beaucoup de gens qui ont retrouvé document ça pour vous y aller. OK? Automatiquement qu'on a là ou beaucoup quand un document ça pour vous y aller, eh bien qui ça vient passer? Dossier en lui-même la pointant. OK? La pointant, qu'on a la mais ou même qui vient un document ça ou vous y aller pendant on dit sous 2 mois ou bien sous 3 mois. Qui ça vient passer qu'on a là? Eh bien ou dit dans gain 9 mois document là en dedans mais jusqu'à maintenant qui pour qu'a approuver par rapport que dossier document que vous voyez yo incomplet yo pas valable c'est l'une des raisons
nous toujours soukouye, quel que soit moun ki genye pou fè processus nan, fè en façon pou nou wè comment nou ka gen tout document nou ki valab, en façon ki pou dosi nou ka pran mwen stan pou yo approuvé. Mwen retrouve en pile moun ici ki genye processus naturalisation hein, ki rive nan même phase sa. Mais c'est en façon ki moun yo manke organize yo ki fè dosye a pran tout temps sa. Et bien nous même pour nous éviter gens de bagay sa yo que nous prenons petit temps mais nous réaliser tout document que n'a bien besoin yo en façon que pour dossier nous ca prend moins temps pour approuver. Et on qui gagne un passeport brésilien c'est pas mal du tout parce que me retrouver en pile monde qui gagne un passeport brésilien qui voyager sans problème. Par exemple nous même nous dans pays Brésil. Côté nous dans le pays Brésil, bon, pour le moment qu'on a une amélioration par rapport à un vol direct qui sorti en Haïti et ici pour aller en Haïti, sorti en Haïti pour venir au Brésil. Mais dans les cas où tu as une amélioration ça, pour on acheter un billet pour sortir ici au Brésil pour aller en Haïti, c'est un bagage qui te vraiment coûte. Pendant ce temps, le passé Saint-Domingue où venir un billet plus ou moins que les cas où sorti ici pour aller en Haïti. Par exemple, ou ta vle passer par Saint-Domingue pour entrer en Haïti. Qui vient un problème pour ou même gonya par rapport que ou pa ka joindre visa pour passer par Saint-Domingue. Or, c'est vrai gen yon consul ici, gen consul dominicain ici ou ka fè demande visa, mais deux fois tout qu'on a fait demande visa, yon rejeté dossier là que ou pa approuvé pour ba ou visa. Or, sou te genye passeport brésilien et eh bien qui ça seulement que ou gen ou ta pa le fait c'est simplement acheter billet faire réservation hôtel entre République Dominicaine sans problème et puis ou faire un transit République Dominicaine ou entrer en Haïti sans difficulté. Mais vu que qu'on y a là ou c'est un monde qui pas genye passeport brésilien et eh bien qui ça passe qu'on y a là ou elle fait demande visa ou pas joni qu'on a obligé de payer un billet bien cher pour sortir ici, pour aller en Haïti pendant ce temps, ou te ka joun yon privilège ou entre République Dominicaine ou aller en Haïti sans problème. Et c'est l'une des raisons, moi encourager quel que soit yon moun, ou qui gagne possibilité, qui vle faire processus naturalisation pour gagner passeport brésilien, il suffit que nous nou ka faire, profiter, faire. Ne pas perdre du tout. Parce que li genyen en pile privilège ou même wap joui avec passeport ça sans problème. Par exemple, c'est un monde qui ka dit bon, me fait un an m'ap travail, yo bon vacances qui te m'ai fait un petit poupné et puis ou dit bon, m'pral visiter en Espagne. Et puis ou simplement aller dans yon agence ou acheter un billet ou faire réservation ou dit bon, m'pral faire une semaine en Espagne. OK? Pendant sorti en Espagne tout, ou dit bon, et me sorti en Espagne bon l'autre m'a cap venir m'ta vle aller Portugal. OK, pour simplement acheter billet ou faire réservation hôtel ou et pour aller Portugal sans problème ou retourner et puis ou voulez aller dans l'autre pays encore par exemple ou ka aller en Suisse ou ka faire une visite en Suisse sans problème ou faire un touriste après ça ou retourner Brésil sans problème sans avoir que ou pas besoin mettre visa sous passeport. Et nous avons une pile question à poser, et bien c'est réseau ça qui fait m'obliger de faire vidéo ça. C'est une façon pour me faire un petit parler ensemble avec nous, pour me répondre à la question que nous posons mieux. Et bien, je crois qu'on y a là, nous avons une petite lumière en plus concernant la naturalisation. Et m'a quitté toute liste de documents que nous avons besoin, ni pour grand monde, ni pour petit monde. Et m'a quitté site là tout. Si toutefois, yon moun vle faire pour ceci ça, ou pas besoin moun pour aller aider. Ou même si toutefois vle, ou ka poste tout document que yon mande yo, et sou site fédéral la, et pou ap mette email ou, le ap voye yon message ba ou, et bien ou ap recevoir message sa sou email ou. M'ap di tout moun merci, et si toutefois nou remet travail la, n'a abonné, partager, like vidéo, et puis quitte des commentaires pour nous, c'est une façon nous même pour nous ka encourager avec travail sa. C'était Zanmi pa nou, François, et je pense que nous avons rencontré dans l'autre vidéo encore. À la prochaine.
Ciao, ciao, que bon Dieu bénisse.